Oula, la grosse souris. Novak. C'est pas possible. Les gens meurent. Quand le commandement est à chier, les gens se font buter. Et tu peux me dire en quoi c'est la faute d'Arthur? C'est à cause de lui. Et Wade. Oula, je suis DPS, bonjour. Foiré à abandonner son équipe. T'as pas tort pour Wade. Si jamais je le revois, je jure que je lui fracasse. Bah alors, mes premières impressions, c'est le début, donc. Faut voir comment ça tourne après. Faut dire que notre fierté en a pris un coup aujourd'hui. Est-ce que c'est censé m'impressionner? Du calme. Quelle importance? Freisinger va tous nous tuer. Freisinger? Le nazi. Celui qui a tué Novak. C'est pas un vieil ami à toi? Disons qu'on se connaît. Ah oui. Et on comment oublie vous... Freisinger. Arthur va nous sortir de là. Quoi? Parce que c'est ton pote? Il l'a pas toujours été. Mais je l'ai vu à l'œuvre. Il y a des morts. C'est la guerre. Parfois la seule façon. Ah, il va avoir des flashbacks. Mort, oh non. C'est de terminer la mission. Mais c'est pas facile à encaisser. Quand son sang est encore sur tes bottes. Pour diriger, il faut savoir ce que c'est que de perdre des hommes. De les voir mourir alors qu'ils nous faisaient confiance. Il faut le vivre pour comprendre. Moi, j'ai compris. Le jour du débarquement. Ah, ah, ben voilà. Oh, Merville, j'y suis allé. C'est le débarquement. Je voulais un débarquement, mais c'était pas celui que je pensais. Voilà. Vous avez l'habitude. Debout. Après, ça reste en Normandie, quoi. Mais, c'est pas en ma bitch. Tenez-vous prêts. On se bat. Ouais, let's go. Putain, c'est un mode sautant premier. Oh no! T'as eu de la chance que c'était de l'eau en dessous, hein. Ça veut dire que je vais me retrouver sans armes. Super! Opération Tonga! Bon, je sais pas ce que c'est la deuxième mission. Ah, Merville, il ressemblait pas à ça quand j'y suis allé. C'était moi le bordel! Alors, mission numéro 1. On va se faire capter déjà. Et mission numéro 1 et demi, c'est trouver une arme. Bonjour! Là, tu m'as pas vu. Oh, il est beau le jeu. En tout cas, il y a. Oh putain, il y a du RTX là. De ouf. Commence. C'est Flash Go John, bro. Ok, bon bah, j'avais trouvé un pote.
Attends, en plus la touche de merde qu'ils m'ont foutu quoi. C'est un clic de raccourci de souris quoi. Alors un conseil, reste pas ici. Hein. Peu de munitions. Ah genre le mec il se baladait avec 3 balles dans son chargeur quoi. Genre. Alors on va utiliser le moins poste. Putain je me suis coincé entre 3 armes. On va essayer d'utiliser au moins le l'arme. Tant que j'ai pas de munitions. Ça, donne-moi un taco. Oh putain. Mais... Oh je veux la guerre, moi. Bon. First try, hein. Mais attends, mais il y a trop de monde là-bas. Comment tu veux que je me fasse pas capter là? Ils vont rester là aussi. Je suis une plante. Ah bah je sais que j'ai peu de munitions. Je sais même pas si comment ça on se rallonge. Oh, c'est à dire que je dois me les faire un par un. Je pensais pas que ça allait marcher. Vraiment, j'ai fait ça à l'arrache. T'as pitché zéro arme. Même oh, il pleure. Ce bordel, wesh. Comment détruire l'infiltration en 2 secondes de temps? C'est bien open up. Ça va, Beans, la forme? Je me suis dit c'est le meilleur moment. Ouais, bah là, laisse tomber. Bah ça va tranquille. J'essaie de pas mourir, c'est cool. Attends, ils sont dessus, on est d'accord, ils sont pas là. Tu crois qu'ils me voient à travers avec la lumière? Pour le coup, on va essayer d'éviter de marcher dedans. Voir les objectifs. Donc on peut voir avec les alliés au niveau du moulin. Bah tous les alliés que je croise ils se font démonter wesh. Wesh. La porte. Ah c'est fait déclaque la porte. Ouais je sais pas que ils ont la porte comment elle s'est fait déclaque j'ai eu peur wesh. J'ai même pas eu le temps de passer le rebord de porte. Bien, je suis calmé. Ouh.
Genre mec, j'ai claqué une balle dans le pied. Aïe. Mais toi, t'as la balle, hein. Par contre, casse les couilles à marcher de temps, là. Wow. Tu m'as tiré une... Oh. Ça va être la guerre. On m'envoie des grenades, c'est bon. C'est pas cool. Deuxième, je sais pas où il est. Il est mort. Apparemment, y'a rien. Ah, il y a une porte. Moi, je passe par la porte, je passe pas par les trous. Wesh, 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 wesh. Ah mais frère, je passe un bout de tête, je me fais canarder, tu veux faire quoi? C'est casse-couille de devoir ramasser. Mais calmez-vous avec vos putains de grenades là. T'es vu toi. Jamais le toucher à travers les feuilles. Ah, ok. Putain, ça vient même de derrière. Ouais. Le frère, ah frère, je suis pas con, il y en avait ici. Comment que c'est des potes? Ah non, c'est pas un pote. Mais ils sont 12 000. Ah, c'est bon. Oh non, oh non. Pas les chiens. Pas les chiens, putain. Vous avez été tué par un chien. Vraiment, j'ai pas vu. Casse les couilles ces clubs de merde. Mais là en plus il court pas aussi ce gros porc là. Je vois rien. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Tiens, crève. Tiens, crève. Est-ce que je leur mets? Qu'est-ce que tu fous là toi, wesh? T'as des mecs qui viennent de derrière là, je comprends pas. Je vois rien. RTX c'est pire quoi, en fait tu vois que dalle. Regarde mec, comment tu veux regarder. Comment tu veux regarder un truc devant, tu vois rien. Oh putain, c'est que de merde. Putain, il était pas loin. Oh, deux balles, super. Sort. Mais oui, je... Calmez-vous. Il n'y a pas le droit qui est devenu. Oh, mais en même temps, on a les deux plays, tu cherches aussi. Hein. Bah moi Forza, je l'ai sur le Game Pass mais je peux pas le lancer. Voilà, cordialement.
Attends, je pensais qu'il était pas mort. J'allais dire, voilà, il est du foutage de gueule. Je veux pas que... Ouais. Il faut vraiment l'acheter pour pouvoir y jouer. Après, c'est pas grave, j'ai réussi à l'avoir via son Steam, bidule machin. Normalement, je peux... Enfin, faut que je le récupère et que je l'installe. Le 8, je crois. Il me semble que c'était marqué le 8. Par contre, y a pas une... Je vois rien, je vois pas les armes à terre, hein. Je suis vraiment un gros bigleux, moi. Il me semble que sur le Game Pass, c'était marqué le 8. Alors si j'arrive à tuer un lapin, je suis sûr que ça a succès. Alors vraiment, on peut pas dire qu'il n'y a pas de RTX là. Regarde. On voit un peu de feu là. 8 ou 9. Bah normalement il sort le 9, mais je crois que sur le Game Pass tu peux jouer un jour avant. J'arrive les bros. Wesh, du calme grand-père là. Pour une fois que je peux voir le RTX même en stream. Bah, tu sais, après ils disent qu'il y a le RTX dans les jeux, mais généralement t'as une scène tout pété, tu vois rien. Ça par contre ça pue la merde ça, reste appuyé pour ramasser là. Salut les potes! Bon sang, Kingsley! On t'a pris pour un boche! T'as vraiment de la chance qu'on t'ait pas plombé! Je vous aurais tué avant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des dessins sur la terre? Ah. Je suis content de vous voir. Où est-ce qu'on en est? Le capitaine est mort. Mais tapis, tu peux s'en manger? Je sais pas. Donc on se retranche. J'ai touché une fois les options tout à l'heure, j'ai tout cassé le jeu. Jusqu'à l'eau pour détruire la prairie. Sinon l'invasion sera un échec. Parce que tu te prends pour le capitaine maintenant. Le soleil se lève dans une heure grand max. On n'a pas le temps de traîner. Ouais, et je suis pas vraiment sûr que la cavalerie va rappliquer comme par miracle. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est mourir ou essayer de survivre. Hey, ce petit débat pour savoir qui a la plus grosse perte de. Tu peux changer sur Warzone. Bah en fait, ramasser les munitions directement en terre, c'est une fois sur S, ça marche. Y'a juste les trucs comme ça, faut rester appuyé. La compagnie est dispersée, ça sert à rien de se fatiguer. Tu connais parfaitement les enjeux. On les connaît tous. C'est de la folie. Eh, hey, on n'est plus à ça près. Je suis d'accord avec Arthur. Après, le jeu est pas dégueulasse. On finit la mission. Je sais pas s'ils ont changé de moteur ou quoi, mais. Quoique, Modern Warfare était déjà beau. Donc, c'est Cold War, je crois aussi. Je sais plus, j'ai. Un doute. Et le Valhalla. C'est par là. Le Valhalla, tu t'es trompé de jeu, gros. Faut qu'on bouge. Quel est le plan? Y'a pas des munitions, quelque part. Ah non! Oh putain, le con! Tu peux pas le laisser 2 minutes tranquille, genre, on creux. 4. Ah, je donne des ordres! Allez, bougez, bande d'esclaves! Bougez ça! Je peux pas donner plus d'ordres. Allez là, plus vite! Ouais, laisse passer, hop là. Attends, bah, tu sais quoi, je vais regarder. Ça serait dans quoi? Commande de combat? Non. Raccourci? Non. Peut-être interface. Oh, compteur d'IPS. Oh my god, je le voulais tout à l'heure. Perte de packer, on s'en fout. La torse, on s'en fout. Gameplay, peut-être. Oh, il y a l'aide à la visée. C'est une merde. Bon, je pourrais l'enlever, mais flemme. Je suis en seconde classe de toute façon. Tir à l'aveugle, sprint automatique, avance auto, sprint annulé, enfoncé de porte. Bah écoute, je ne sais pas. C'est pas grave, Pierre. C'est pas grave, on fera avec un côté. Regarde là, j'ai appuyé une seule fois sur F, mais c'est juste quand il faut ramasser des grenades ou quoi, il faut rester appuyé quoi. Vous
Vous voyez ces lumières sur la falaise? C'est la batterie de défense côtière. Le pont est bien gardé et la rive trop escarpée. Alors on sécurise le pont. C'est notre seule option. Faut bien ramasser un quart avec un putain de viseur, encore une fois, là. Prenez la tête du pont. Let's go, on y va. Baissez-vous. Attention au camion. On a une fenêtre. Rapprochez-vous discrètement. Discrètement, y a dire. Vous êtes témoin. On a le choix, sergent. Final! Il se replie. C'est le moment d'avancer. Moi. Discrètement. Discrétion, on n'a pas duré longtemps. On m'a proposé de rusher et d'attaquer tout le monde. Let's go, quoi. Pas les couilles. Attention, suivez Kickflex. Ouvrez ses arrières. Tout vos tirs sur la porte. Je vise la porte. Oh, voilà. Porte dégagée. Mec, c'est tout dans Assassin's Creed là, monter sur les tours. Joli fail. Mais c'est pas un fail. Moi, je joue discret tant qu'on me dit de jouer discret. Et si on me laisse l'opportunité de foutre le bordel, oh là, je fous le bordel. Pas des couilles. Aïe, aïe. Mais laissez-moi rentrer, ZB. Ses potes à le détruire. Ça me semble bizarre qu'il y a beaucoup de valises comme ça qui se baladent. Bon, encore une fois, il passe par une grosse tête devant là. Mais prends tes balles aussi, toi. Neutralisez la mitrailleuse. Frère, je tire dessus, on passe pas le coup. Au bout d'un moment. Neutralisez le half-track. Prenez le chariot et avancez. Oh là, le donner des ordres, c'est chiant. Neutralisez la mitrailleuse. Attends, vise à gauche. Ah, c'est le bordel. Neutralisez le half-track. J'attaque la mitrailleuse. Je recharge. Bon travail, les gars. Ça ira. Maintenant, sergent. Neutralisez la mitrailleuse. Bah, tu es le truc, putain. Ah, les loyants. Non. Putain, c'est con, ils auraient pu mettre des trucs dans les caisses. Tout faire soi-même de toute façon dans ce jeu de merde là. En avant maintenant, prenez le pont. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure dans les Call of Duty. Tant que t'avances pas, les PNJ ils avancent pas. Par contre, dans Battlefield, frère, t'es caché derrière un truc, tes potes ils s'en battent les couilles qu'ils font la guerre. C'est chargé, me fait tellement passer. Ouais, quand ils sortent de la mine, qu'ils poussent un truc là. Ouais, qu'ils ont pris l'ascenseur, ils sortent d'une mine et tout. Ouais, je m'en souviens. Parce qu'apparemment, on pourrait les avoir par le cul, mais bon, apparemment, c'est déjà fait. Détruisez cette mitrailleuse. Aïe. Mais frère, je tape des balles dans le cul, là. Sergent, décoincez-le.
ça va le tuer comme ça. Ou alors vous payez un kilo de cerise. La tour, détruisez cette mitrailleuse. Je me concentre sur la mitrailleuse. Qu'est-ce qu'on fait, sergent? Recharge. Éliminez-moi cette mitrailleuse. Envoyez une grenade sur cette mitrailleuse. On est trop loin pour lancer. À toi de jouer. Tac. Wow. Bah, je vais avoir le tir à lui, il n'est pas toléré. Et on va ramasser là. Ok, faut qu'on se bouge. Rejoignez tous ce véhicule. Allez, let's go. Ah, c'est chiant qu'il perde un gros curseur en plein milieu. C'était un joli bordel. Le sergent s'en est bien tiré. Et on a encore envie, non? On dirait. 8 hommes contre une fortification nazie. Richard disait que j'avais perdu la tête. Mais parfois, un peu de folie est nécessaire. Je crois qu'au fond, il en était conscient. On était fait de la même étoffe. J'espère qu'il va pas avoir 50 flashbacks. Hein. C'est la sauce. Webb a pris les devants. Je crois qu'ils vous attendent, sergent. Enfin, un truc dans le jour. Bordel. Alors les mecs ils sont vachement énervés, mais par contre on n'entend rien du tout. Je crois qu'il manque des voix. Ils attendent à la table, là-bas. Ah c'était pas tant, je crois que... Il était pas en home cinéma ou je sais pas quoi l'audio là. On va mettre... casque. Ça se trouve c'est ça qui fait que... Pas du tout. Il parle pas. Super. Comment ça se présente, sergent? À toi de me le dire. C'est la merde. Jette un œil sur la situation. Notre objectif, c'est les armes qui se trouvent dans ces casemates. Voilà, sensibilité, tu vois. Faudrait qu'on passe par ce bunker. Ah, the B. Little people. Ça va pas être facile. Tu penses pouvoir t'occuper de celui d'en bas? Ça devrait pas être un problème. Il y a un peu beaucoup de monde. Première étape, traverser ce champ de mine. Mais le fossé anti-char devrait nous aider. J'ai une idée. Je t'écoute. On bombarde la zone. Avec ses blitzers. Et le bunker fera de nous de la chair à pâté dès qu'ils entendront les moteurs. On avancera discrètement. Alors moteur éteint. Sortez au dernier moment et laissez faire la gravité. Ça nous mènera au fossé au moins. Alors? Du génie. Tu devrais y aller en premier. Ok, dès que t'arrives dans le fossé, dis aux hommes de se préparer. Tommy, t'es avec moi. Oh ouais, traverser le champ de mine, prendre le bunker, attacher de la thermite à des armes hautement explosives. Un jeu d'enfant. Je fais ça tous les jours. Ensuite, tu me fais péter un feu d'artifice dans le ciel. Si notre flotte ne voit pas notre signal, ils ne sauront pas qu'on a gagné. Et ils tireront sur les armes au risque de nous faire sauter. Eh bien, pour être tout à fait honnête avec toi, l'idée de me faire abattre par des tirs alliés ne m'enchante pas plus que ça. T'en fais pas. J'oublierai pas le signal. Pourquoi on balance pas le signal directement pour dire bombarder tout. Oula. Ah, j'ai vraiment été dans le camion, mais à proprement dit. Oui. Let's go. On te représente. On peut klaxonner pour dire j'arrive. Ah, j'ai dit. Ah, c'est ça. Ah, c'est
de bien, c'est qu'on a pété les mines. Aïe. Alors attends, moi je suis à terre, je prends des balles, frère. Appuie sur mâche. Ah, j'ai pas capté. Appuie sur mâche pour quoi faire. Ah. Ah. Putain. J'ai vraiment boulé, moi, putain. Pas aujourd'hui. Retourne-y. Voilà, voilà, tout ça, la guerre, là. Ces webs sont en position, sergent. Ils attendent vos ordres. Relève-toi. Faut y aller. Bougez vos trous de balles, on n'est pas là pour. On n'est pas en Club Med. T'as eu chaud, c'est clair. Ah, mais chaud dans le plus sens du terme, encore une fois. Je peux pas sauter, genre passer par la plage. Apparemment, ils sont pas d'accord pour aller à la guerre. Allez, let's go. On attend tes ordres, Kingsley. Attaquez! Chargé! Wouh! C'est la guerre! Ah, je veux pas mourir! Ah! Allez hop, dans les tranchées, B. Hop là, emballé, c'est pesé. Oh putain, j'ai une grenade. Oh putain, j'ai une grenade. Y'a plein de grenades partout! Sauter ce bunker! Ouais, non, mais attendez, attendez, je suis dedans! Attendez, je suis dedans! Mais putain! Bunker dégagé! Des grenades! On est devant la porte! Il ne manque que toi, chef! Prenez les casemates d'en bas! Allez, je me charge de celle d'en haut! Et n'oubliez pas la fusée. On y va. Ok, sergent. Les gars, c'est le moment. Suivez-moi. C'est ce que j'allais dire. Ah, j'étais en train de penser le mec. Suivez-moi, le mec. La porte, il se prend une balle. C'est pas moi ce qui s'est passé. Trop devant. Tire de suppression maintenant. Détruis de ce half-track. Meurs un jour, wesh. T'en rames bien ici. Détruisez ce half-track! Là, tu peut-être kiffer plaisir. Détruisez ce half-track! Il se replie! Maintenez la pression! Attention, half-track! Reste pas là! Oh le carnage. Oh putain, je les ai enchaînés. Un tir, un frac gauche abattu. Donnez la position. Concentrez vos tirs. Servez-vous des half-track. Comment ça, servez-vous de la frac? Yeah, allez! Let's go! Ah putain, ah zépé! Ça va me péter à la gueule! Restez derrière le half-track! Ne devenez pas une cible facile! Faites avancer ce truc! Vite! Suivez-les, les gars! Et restez à couvert! Oh, mais le temps, moi, encore! Aïe! Allez, débarquement! Dispersez-vous, encerclez cette mitrailleuse! Maintenez la pression! Il y a trop de monde! Ah! Mais putain, mon perso ne court pas aussi là! Partout, quoi. Il y a des trucs à ramasser.
Je dois avoir un problème avec mon perso. Hein, parce que voilà comment il court pas. Aïe. Ouh, j'ai pris cher. Zepé, j'ai pris cher. On va faire comme si on n'avait rien vu. Envoyez une 77. Ah mais ouais, comment ils ont réussi à passer eux? Envoyez une 77. Je vais attendre. C'est bon, let's go, fallait juste attendre en fait. Attention à la porte, vite sur la porte. Evans, passe devant. À vos ordres, sergent. On n'y voit plus rien. Je vous couvre pendant que vous cherchez une lampe torche. T'as pire. Oh bordel, ça empeste ici. Vous avez pas besoin de lampe torche là. Une lampe torche, faudrait la prendre. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Frère, c'est pas une lampe torche. Ça imposera tout ça. Oh putain! Ok, on avance! Wesh! Waouh! Ça m'a pété les yeux, wesh! C'est pas la. Lampe torche de merde, ça! Visez un peu ce monstre! Ah putain, sans moi. On lance. Ah non, mais pourquoi faut le détruire? J'avais jamais vu un 125. Allez, explosons cet enfoiré, sergent! Un de moi. Lucas, on a épuisé les stocks de termites. Sergent, j'aurais besoin d'aide ici. Ok. Je pensais que ça allait faire boum, moi. Putain, mais la lampe torche, wesh. Elle éclaire, hein. Elle éclaire plus que les lampes torches de maintenant, tu sais. C'est quoi ça? Ouvrez l'œil. Ça va finir en jeu d'horreur, le truc. Tu peux pas tester mes réflexes, Valorant. T'as vu? Et vous êtes plus Call of Duty ou Battlefield? Super, tous les boches savent qu'on est là. On va ouvrir un débat. It's a fucking trap. Plus Call of. Vous me décevez. Voilà, vous me décevez. Non, moi. Après, en soi, pour les solos, moi j'aime bien les deux. Après, mais les multi, je préfère Battlefield. Dire Call of Duty, c'est quasi toujours le même, les solos. Ah, Joker. Il semblerait que Webb a fait sa part du boulot. À nous de jouer. Après, ça m'empêche pas de jouer aux deux, hein, mais sur les multi, vous me direz plus c'est un Battlefield qu'un Call of. Call of, ça va aller une semaine à tout péter. Longtemps que j'ai code. Ah ouais, bah alors moi, les tendais, hein. Ah, j'ai fait Battlefield 1, Call of Duty 1, Call of Duty 2, le 3 j'ai pas fait, j'ai pas de play, j'ai fait Modern Warfare, enfin Call of Duty 4 pour le premier qui était sorti, j'ai fait Call of Duty Ghost, World War 2, Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, le nouveau Modern Warfare. Alors j'ai tout fait les Call of, je crois. Y'a que le 3 j'ai pas fait parce que j'ai pas de play. Après Cold War je l'ai fait, World War 1, World War 2 j'ai fait. Montons. Ah ouais non, Call of, t'inquiète pas, je les ai mangés. J'en étais un sur PSP, je sais plus c'était lequel. Je crois sur Play c'était un truc où c'était Paris ou je sais plus quoi là. Ils vont nous bombarder là. Merde, la fusée est cassée.
Ah bah tiens, bah ça c'est con ça. On va se faire pilonner les gars. Où est Webb? Là, dans la casemate d'en bas. Ça joue pas à Warzone. Bah non. Oh plus on approche, à terre. Oh, Battle Royale. Je vais chercher la fusée de Webb. Mettez tout le monde à l'abri. Il va falloir courir. Run for your life, bro. On a un camion sur la gueule, je vais rien comprendre. Il y a un... Aïe. Je vois rien, à l'aide. Warzone après ça reste pas un solo quoi, ça reste un métier. Web. Web. Ah. Ah, ça brûle. Ah, ça me fait. Non, attends, attends, attends. Il y a quelqu'un qui va m'attaquer ou c'est pas l'arnaque toi? On peut pas faire confiance aux gens, hein, c'est un truc de ouf. C'est pas le moment de roupiller. J'attendais patiemment qu'un pauvre fou vienne jouer les héros. Bon, il est temps de prévenir nos gars, ok? Et puis là, elle marche pas non plus. Ça aurait été marrant. On avait perdu notre capitaine, mais pas la bataille. Et on a honoré la mémoire de ceux qui nous avaient quittés, de la seule façon possible, en terminant la mission. On regarde les soldats sous ses ordres. Après, j'ai pas compté aussi le Black Ops, ça le Black Ops, j'ai fait aussi. Là, le 2. La fusée m'a confirmé que j'avais eu raison. C'est ça, être un chef.